Bonjour, le projet DIVA, Dijon Vascular Project, est un projet qui va évaluer le suivi après la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus de myocarde. Ce sont deux maladies très proches qui touchent deux organes différents, mais les causes sont identiques et les traitements identiques. On a constaté que dans l'année qui suit l'AVC ou l'infarctus du myocarde, il y a 30% de réhospitalisation non programmée, hospitalisation non programmée qui sont plus longues, plus coûteuses et en général avec plus de séquelles. Donc, pour le patient et la société, on a intérêt à prendre en charge ce type de patient. Pour cela, on a innové en proposant à des infirmières, à la fois hospitalières et libérales, de suivre de façon trimestrielle, tantôt à l'hôpital, tantôt en ville, ces patients pour détecter les facteurs de risque de récidive, mais aussi les facteurs amenant à des complications insidieuses, amenant ensuite le samedi soir, par exemple, à une hospitalisation non programmée dans un service ou dans un lit non adapté. Donc, le choix d'une infirmière est un choix tout à fait assumé parce qu'on a démontré qu'avec une formation, elles étaient capables de remplir ces missions. De même que le pharmacien qui va aussi suivre le patient de façon répétée la première année pour rechercher des complications et surtout s'assurer de l'adhésion du patient à son traitement. Les informations seront mises sur une plateforme informatique qui permettra à tous les professionnels de santé d'accéder aux données le jour même concernant le patient, son suivi et surtout les mesures à prendre pour éviter la récidive. L'autre amélioration concerne le financement. Ce n'est plus un financement à l'acte, mais un financement au forfait, ce qui permet effectivement d'apporter une enveloppe sur la prise en charge complète et pluriprofessionnelle du patient. L'autre innovation, c'est le territoire qui va expérimenter ce montage. Il s'agit d'un groupement hospitalier de territoire qui regroupe deux départements, la Côte d'Or et le Sud de Marnay. L'avantage, c'est que ce GHT, il est à la fois urbain avec les grandes villes de Dijon et de Beaune, mais aussi rural, ce qui permettra au ministère de voir si ce montage est applicable aussi bien dans les grandes villes que surtout en région rurale, car c'est dans les régions rurales que nous pensons que cette organisation sera la plus efficiente. L'autre intérêt, c'est l'évaluation médico-économique. Effectivement, il est important de pouvoir démontrer que le gain en termes de diminution du nombre de réhospitalisations permettra de financer justement le forfait de cette prise en charge. Donc, nous pensons que la réalisation de ce projet permettra aussi d'apporter des solutions à d'autres maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque, les cancers, l'insuffisance rénale en particulier. Alors, les problèmes, je dirais, on en a eu, mais ce n'est pas du tout par méconnaissance ou surtout absence d'aide. On peut dire qu'effectivement, à la fois le ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé et les directions de tous les hôpitaux de ce GHT ont permis de soutenir, d'aider et de financer ce projet. Alors, je dirais, en termes de problématiques, on a rencontré trois problèmes. Premièrement, le premier problème, c'est pouvoir mobiliser tous les acteurs qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble. Je vais parler des professionnels de santé des hôpitaux et les professionnels de santé libéraux, car effectivement, comme vous le savez, il y a de vieilles cloisons qui ont empêché d'avoir une fluidité dans le fonctionnement. Et ce projet, c'est vraiment un projet qui casse les murs et qui va effectivement mobiliser tous ces acteurs. Donc, il a fallu les convaincre. Le deuxième problème, c'est la formation, parce qu'effectivement, il a fallu apporter une formation spécifique sur l'AVC et l'accident vasculaire cérébral. Et ceci a demandé beaucoup de temps, à la fois pour nous, les formateurs, mais aussi pour nos collègues qui sont venus en grand nombre assister en présentiel et puis maintenant en e-learning pour la formation, pour pouvoir justement apporter leurs compétences pour la réalisation du projet DIVA. Et enfin, moi, je dirais alors le troisième avantage, parce que c'est pas du tout un frein, c'est l'enthousiasme qu'on a rencontré auprès des professionnels, car effectivement, ça leur a augmenté leurs compétences. Et là, ça leur a apporté une bouffée d'oxygène sur le plan intellectuel et sur le plan motivation pour faire une recherche médico-économique sur le soin. Alors, effectivement, on peut transposer ce processus à trois niveaux. Premièrement, c'est, comme vous l'avez vu, c'est un système qui va mettre en parallèle le système hospitalier public et le système hospitalier libéral qui seront véritablement associés, partenaires et qui seront dans cette coopération
tout à fait décloisonnée. Ça, c'est le premier point. Donc, la transposition, elle est réelle parce qu'on la vit sur le terrain. Deuxième transposition, on va démontrer que ce processus, cette procédure est surtout efficiente en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, parce que les villes aussi deviennent relativement désertifiées. Je pense à Paris en particulier en termes de médecine générale. Et puis enfin, ce processus va démontrer qu'il est transposable d'une région à l'autre, car je rappelle que ce GHT, il est à cheval sur deux régions sanitaires différentes. Avec la Côte d'Or, il est en Bourgogne-Franche-Comté, et avec le sud de Marnay, nous sommes dans la région Champagne-Ardenne. Donc, la transposition, elle est au cœur du processus, et nous pensons pouvoir la démontrer à ces trois niveaux différents, ces trois étages différents.